Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci Valérie pour l'invitation dans ce magnifique calendrier de l'Avent, de ce beau mois de décembre, particulier mais très inspirant. Donc voilà, nous sommes ici dans ma boutique. Je m'appelle Ingrid, j'ai 38 ans, je suis à Bordeaux depuis 3 ans. Avant, j'ai vécu 10 ans en Amérique du Sud où j'ai commencé ma marque de bijoux qui s'appelle Grid. Voilà, tout a commencé là-bas, à Cusco, au Pérou, où j'ai appris à travailler les pierres et les métaux précieux. Et non précieux, les métaux en général. Donc nous sommes ici à Bordeaux, dans ma caverne. Je travaille donc l'argent, le bronze, je dessine des collections, je les fais faire au Pérou et je fais toute une partie aussi ici sur place dans la boutique atelier ici même. Donc je vais vous montrer un petit peu juste après. Ce qui m'inspire, ce sont les pierres précieuses, les pierres naturelles, tout ce que la nature nous offre. Et c'est tellement infini que ça m'apporte beaucoup de joie au quotidien. Toutes ces belles pierres, je les travaille brutes, polies ou non, serties ou non, selon les envies, selon l'instinct. Et puisqu'on parle de la joie, ce qui m'inspire et ce qui m'en apporte beaucoup, ce serait l'émotion que procure un bijou, une pierre, l'émotion que procure une création, l'art en général, enfin voilà, à une personne. L'émerveillement enfantin dans lequel on retombe si vite. Et ça, c'est pour moi une grande, grande source de joie parce que ça fait partie de la base en fait. Ah, mon chien s'énerve, excusez-moi. Béga, non. Sinon je vais recommencer la vidéo 3 fois. Donc ça fait déjà 2 fois que je recommence parce que c'est trop long, c'est trop court. Bon voilà. Donc voilà. Ce qui me procure de la joie, donc c'est ça. L'émerveillement des gens, le retour à l'instinct. L'instinct, c'est hyper important pour moi et je m'aperçois que c'est pour ça que je fais ce métier, que je fais ça. C'est juste instinctif en fait, c'est juste, il faut que je fasse ça. Enfin, c'est comme ça. Au gré des envies, assembler telle pierre avec telle couleur, telle envie, telle. Et les gens, quand ils choisissent, c'est ça qui est très beau, c'est ce côté instinctif. Oh, j'adore! C'est ça qu'il me faut. Bah oui, c'est ça, parce que c'est ça dont vous avez besoin en ce moment, en fait. Sans question, sans mental, tout est déjà là, tout est parfait, quoi. Tout est... Voilà, on écoute son cœur et... Oh, c'est une évidence. Et ça, ça j'aime. Voilà. Donc, voilà la boutique. Voilà, je vais vous montrer vite fait. Bon, de toute façon, voilà... Voilà, l'ambiance, tout est fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites à Bordeaux. Beaucoup de choses qui sont faites à Cusco. Voilà. Bon, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Toujours est-il que je vous présente maintenant le petit cadeau que j'ai décidé d'offrir dans ce calendrier de l'Avent. Voilà, c'est un petit bracelet fait ici en sodalite et chrysocolle du Pérou. Donc voilà, ce sont les deux pierres. Ce sont des pierres aux vertus apaisantes, surtout la chrysocolle. La sodalite aussi, mais elle est bleue, donc c'est plus dans l'expression des sentiments qu'elle va aider. Après, la chrysocolle, on la surnomme la turquoise péruvienne, donc elle est verte. Quand on ne plonge dedans, c'est vraiment montagneux, terre. Ça nous... Moi, j'adore cette pierre, elle me traverse complètement de forêt et de montagne et de paix, simplement. Voilà, donc ce petit bracelet, c'est mon lot. Voilà, donc écoutez, à bientôt ici ou ailleurs. Voilà, j'étais ravie de partager ce moment et ma passion avec vous. Voilà, joyeux Noël à tous.